Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring. Un épisode précédent, ah oui, je viens de voir la statue, c'est pour ça. Il y a un donjon qui est juste en dessous, donc à faire potentiellement quand je... En fait, je pouvais déjà le faire en fait, là ouais, j'ai qu'à descendre par ici en fait, j'y ai pas pensé. Très bien, bon, on va réfléchir. Ok, parce qu'il y a un donjon juste ici à faire. Il y a un truc à faire ici aussi, ouais, comme ça j'aurai tout exploré la partie nord. Je crois qu'on va faire ça en premier. Alors je disais, épisode précédent, oui, j'ai commencé à explorer un peu tout ce plateau-là, des champs de bataille. On a également fait, de mémoire, la grotte du parfumeur et puis l'espèce de bête, là. J'ai pu améliorer ici mon katana plus 17, du coup, je crois. Je dis pas de conneries, vu que j'ai eu des pierres de forge niveau 6 en tuant la créature stellaire, c'était cool. Mais bon, du coup, on va continuer à explorer ce plateau, hein. On a réussi à battre également un boss encore à cheval ici, là, qui était très chiant. C'était des attaques électriques. Encore une sentinelle de l'arbre, hein. Et je pense qu'on a fait tous les arbres mondes, aussi. Mineur, toujours. Donc voilà, sympathique. On va descendre par ici. Et je vais voir si je peux pas trouver le donjon, du coup. Ils ont repopé les géants. Bah oui, ils repop ces connards. Hein. Putain, quelle bande d'ordures. Ah ouais, y a un truc pour monter là. Ce qui fait que je peux sauter en fait, je prendrai pas de dégâts et ça c'est bien. Hop là. Voilà. Ce qui fait que je peux aller par là pour la suite, ouais, très bien. Là y a du loot là-bas. Voilà. On essaie de rien rater dans cette zone de merde. Ça, j'y retournerai pas. On peut vraiment aller tout en bas, quoi. C'est un délire. Hein. Tout en bas, il y a l'air d'avoir un putain de lac, là, ouais, c'est ça. Est-ce que je peux essayer d'y aller, ouais, avec... le saut, en fait, ouais, voilà, comme ça, je retombe et puis je mourrai pas. Tout juste, hein. On pouvait y aller en descendant par ici aussi, d'accord, c'est ça. Tu peux aller par là, ça mène à un chemin également. Mais ouais, ce lac là, y'a quoi à explorer? Y'a quoi à choper? Sûrement un crabe géant. Cassez-vous les libellules, commencez pas à me casser les couilles. Oh, y'a pas d'ennemis en fait, d'accord, c'est juste le lac et basta quoi. Très bien. La partie où tu peux descendre, mais bon, je pense pas qu'il y ait un truc intéressant à choper. On va essayer de voir, mais... Un objet en chemin, quelque chose comme ça. Parce que là, si on continuait là-bas, en fait, on se faisait bolosser par les géants. Juste voir, hein. Si je rate rien. Comme ça, j'aurais pas besoin d'y retourner plus tard. Ce sera déjà la bonne nouvelle. Voilà, bah les géants ils vont me casser les burnes, c'est ici que je m'étais fait bolosser, ouais, c'est ici que les géants vont tirer. On va se mettre à l'abri là-bas, hein, c'est bon. Ok. Je ne rate absolument rien, c'est cool. Allez, on va s'engouffrer dans cette gorge là. Ok, nounours. Et s'il y a petit ours, il y a grand ours, je suppose. Avec ça, j'en avais déjà croisé. J'en avais déjà croisé dans le château de Valorage, mais j'ai jamais su à quoi ça servait. Hein. Je pensais que c'était pour invoquer, mais en fait, non, pas du tout. Hein. Toujours pas à quoi ça sert, du coup. Il y a un tombeau à faire là, d'accord. Et là-bas, il y a les catacombes. Ah, connard. Ok. D'accord, ouais, je vais prendre ça comme un compliment.
me choperas pas. J'ai saigné. Oh, il a pas aimé. Allez, hop. Dégage, il est pas mort encore, hein. Nounours. Cher nounours. J'ai pas été voir ce qu'il y avait derrière là-bas. De toute façon, après, on y retournera parce que là, je suis sûr que c'est encore un donjon héros, mes couilles là. Il y a des grandes chances. Et qu'est-ce que j'avais dit, hein? S'il y a petit ours, s'il y a grand ours, bah voilà, ça a pas loupé, hein. Sans de bête là. Ouais. Et voilà, les catacombes sont ici. La statue n'a pas menti. Bon. Eh bien. Bon, on va aller dedans, on va la faire, hein. Encore un donjon annexe, ça n'arrête pas. Tombe auxiliaire d'Orisa. Reposons-nous et montons un peu de niveau, peut-être. Je peux monter d'un niveau, ok. Allez, dextérité, hein, plus de dégâts. Je vais même faire un peu plus, là. Dire une niveau 1 quand même, ouais, ça va. Est-ce que je peux monter de niveau et du coup il me manque un peu? 61 000 là, d'accord, ouais, ça pique un peu. On va en utiliser encore quelques-unes de niveau 2. 3, 4, je pense que ça suffira, non? A voir, je sais pas trop. Putain, il manque 500 âmes, quoi, au secours. Ah mais j'ai assez, là, ou pas? Mec, il va faire que ça, quoi. Putain, mais c'est pas vrai. Il manque 20 âmes. Ah non, je vous jure, allez. Cette fois, c'est bon. Ah, je passais niveau 100, hein. J'ai passé la barre des 100. Champagne. Ok, donc la porte est ici. C'est quoi cet ennemi de merde là? C'est une vive jarre. D'accord. Là ça explose. Putain, l'ordure. Je savais pas qu'il y avait des kamikazes. Très bien. Le donjon des vives jarres. Ah, je t'ai vu. D'accord, de toute façon, je sais pas pourquoi je regarde la carte, parce qu'il y a qu'un seul chemin. Si je veux, je peux tomber, ok, d'accord, il y a un truc, il y a un passage. Et le boss, ça va être une vive jarre géante, ça sera vraiment un troll, quoi. C'est n'importe quoi. Pas de vive jarre. Étonnant. Bon, ok. Ah bah ouais. Piège téléporteur. À tester quand j'aurai fini le donjon. Parce que les pièges TP, ouais, ouais, c'est... Ouais. Je commence à connaître, hein. Voilà. On va venir là-bas vite fait voir ce qu'il y a. Pour pas d'ennemis, c'est très bizarre. Ah mais, il y a des pièges téléporteurs partout, c'est quoi ce donjon de merde? Très bien. Peut-être qu'il faut s'en servir, ça va peut-être nous emmener quelque part dans le donjon même, en fait. Toi, tu la fermes. Dégage. Il suffit. On
Par là. De l'eau. Ah bon ça. Ouais, surtout quand t'as des connards qui te lancent des attaques électriques. Au-dessus. Ah, je les tue en 3 coups avec le katana aussi. Bon, c'est plus value de le faire au katana du coup, hein. Ennemi au-dessus, hein. Ça court, hein. Ouais, ouais. Ordure, hein. Non mais... D'accord, en fait, t'as pas le choix, tu dois prendre des téléporteurs pour te repérer dans ce donjon de merde. Ah d'accord, la mécanique est cool. C'est sympa. Mur invisible, ah bah, finalement, on va là-bas, hein. Oh, kamikaze! Ah putain, l'ordure! J'ai pas vu qu'il avait pas pété. Ah merde! Ah, allez, fuck, je le prends, celui-là, ça me saoule, voilà, allez. Je sais pas où ça m'a amené, mais bon, je suis sûr que je vais bien le vivre. Non, avec des trucs électriques, là. En vrai, je crois que j'ai pris le bon là. Hein. Tac, voilà. En vrai, j'ai juste pété ces connards qui étaient en haut, quoi, mais. En vrai, ça va, quoi. Voilà, très bien. On prend celui-là. Allez, vas-y. Emmène-moi où tu veux. Mon con. Ça m'emmène dans le passage secret. Bah, très bien, ça me va. En vrai, t'en avais tellement du coup. Mais putain, mais. Pourquoi il a repopé lui? Pourquoi il repop les ennemis? C'est une blague? J'ai rien compris, hein. J'ai rien compris. Merde. En moins, il y en avait deux, hein. Dégage. Faut fissurer. Manuel du parfumeur, ok. Et pour fissurer, je suppose, ouais, voilà. Je peux pas ouvrir cette porte, non? Quelquefois? Non, c'est juste ça, tu te balades dans ce niveau avec les coffres téléporteurs, quoi. C'est... La mécanique est cool, hein. Ah, par contre, là-dessus, ouais, les donjons, ça va, ils sont quand même fait chier. Ils ont fait une mécanique différente, même s'il y a parfois des boss qui sont recyclés. Super. On débit. Compris là, j'ai pas tout compris là. D'accord que j'étais. Non bah non, c'est pas le bon endroit. En fait. Hein. J'ai carrément fumé du mauvais shit. Vas-y, emmène-moi quelque part, toi, je sais pas où. Il va me sortir du donjon, il va m'amener à 10 km, quoi. Non, c'est bon, ok. Tout va bien. Ah putain! Ok, d'accord, je vois où est-ce qu'il mène celui-là, du coup. Non, faut vraiment que je prenne celui qui est dans le passage secret, hein. J'ai pas le choix.
C'est le seul qui m'avait amené dans un endroit intéressant en fait là. J'ai pas le choix. Donc on y retourne. J'ai l'impression que j'étais dans un monde parallèle en fait là. C'est quoi ce délire? Alors prends celui-là. Là, là je suis en haut, y a pas de souci, mais quand j'arrive là-bas, je vois pas le levier pour tirer la porte. Alors que normalement je devrais. Je crois que parce qu'en fait ouais il doit y avoir un délire avec les coffres à prendre dans un bon sens, un délire du genre je pense. Et là je suis dans une autre dimension, c'est ça. Je crois que c'est ça le délire. Je crois que là je suis dans une putain d'autre dimension là. C'est celui-là du coup. Une putain de dimension alternative. Il faut trouver les bons en fait là. Regardez là, ouais, c'est plus les mêmes. Hein. C'est plus le même délire là. En plus, il y a une échelle, tout à l'heure il n'y en avait pas. Allez hop. Le délire, ce donjon, il est excellent par contre, j'adore. La mécanique là. Les Zelda. Ça fait Zelda. Ah bah j'ai trouvé le levier du coup. Bien joué. Une autre porte s'est ouverte quelque part. Oh yes. Ouais ma gueule là. Ça, je suis dans la bonne dimension là du coup. Il y a des ennemis en haut, je dirais que c'est oui, ouais. Mais bon, j'ai envie d'aller en haut quand même ici. Je suis sûr qu'il y a des objets à ramasser, donc j'essaie de trouver un autre coffre en prenant celui-là. Alors, on se bat en fait entre plusieurs dimensions, c'est un délire, hein. Le donjon, il est ouf, hein. Les mécaniques sont dingues. Et si je reprends deux fois le même en fait. Est-ce que ça s'annule? J'ai du mal à comprendre là du coup. Oui, c'est ça, d'accord. T'inquiète pas, j'arrive toi mon pote. Là j'ai chopé un objet sympa, je pense. Des dimensions alternatives, ouais c'est un délire, hein. Franchement j'adore. Hein. Allez hop, où est-ce que tu vas m'amener toi? Non, je sais pas où je suis là par contre. Hein. Ah je reviens là, d'accord, à l'entrée, bah, ça me va, écoutez. Hein. Pour faire le boss. Ah d'accord, ouais, non, c'est pas le boss que je me tape là, par contre, ouais. Que je suis pas dans la bonne dimension. Très bien. Pierre de forge 5. Pierre, je peux m'en téléporter au début du donjon, hein. C'est pas très grave, hein. Je peux redescendre par là si je veux. Sinon je peux aller par là mais ça mène au coffre. Faut que je reprenne le même en fait pour qu'il me fasse aller au bon endroit, je crois. On va prendre celui-là du coup. Ah bah d'accord, il y a une jarre aussi là. Je pense que j'aurais tout récupéré du coup là. Il a tué son pote, hallucine. T'as buté ton pote abruti.
pot rituel, là, quoi. Il y a pas mal de trucs à ramasser, du coup. C'est value ouf. Ouais, je suis dans la réalité alternative, là. Donc je vais prendre celui-là, du coup. Ah, c'est un délire pour entrer au début, du coup, là, c'est un bordel. Après, je me casse trop les couilles, hein. Je devrais me téléporter, en fait, là, en vrai. Oh, ouais, c'est ce que je vais faire, parce que ça me... Ah, je peux pas me téléporter. Bah oui, je suis baisé. Là, je suis dans la bonne dimension, je crois. Ouais, je suis dans la bonne. Ah putain, ouais, un délire, quoi. Enfin, c'est un délire. C'est incroyable. D'accord, donc là, je suis bon. Par contre, ouais, si je me téléporte, c'est ça le problème. Ouais, ok, j'ai trouvé. Non, non, bah, je pourrais pas, bah non. Non, faut que je prenne celui-là, en fait. Ou j'ai mal à la tête. Putain, j'ai mal au crâne pour sortir de cet endroit de merde. Parce qu'après, là, faut réussir à sortir, et c'est ça le problème. Ça, le côté pervers du truc. Là, je suis pas dans la bonne réalité, en fait, là. C'est la merde. Parce que là, y a pas de coffre, y'a juste un truc de merde. Ouais, c'est ça. Ah si, c'est bon. Mais je fume du mauvais shit, alors. Bon, on sauvegarde, du coup. Et on va affronter le boss. Oh putain, il y a des pots partout. Vas-y, tape les pots, vas-y. Ouais, ouais. Ah, non, il tapera pas les pots, hein, connard. Hein. Merde, oh non. J'ai rien fait, c'est pas moi. Oh. Allez, bouffe. Bouffe le bouffe. Tu pues la merde, hein. Ah, tout le monde a pété. Centre de faïence, tout risque. D'accord, il y a des trucs qui explosent, excellent. Ça doit faire trop mal, putain. La résine, il m'en faut. Oh voilà, rien d'autre, bah écoutez, c'est bien. Petit donjon sympathique. Système très sympa également, t'as, ils m'ont vu. Ils ont explosé à la fin, c'est con. Ok, voilà, nickel. Bon. Je sais qu'il y a le nounours ici, je vais essayer de le skipper. Je vais aller là-bas, moi. Voilà. Allez, ouvre. Encore un donge. Il y en a deux à côté, l'un à côté de l'autre, c'est marrant. Par contre, ça a l'air d'être bien profond, hein. On est déjà à 24 minutes de vidéo, mais bon, je vais commencer un peu ce donjon, peut-être, sûrement. Merde. J'ai cru que j'allais faire monter, ça va. Tombe des héros d'Oriza. Ah, c'est vrai que dans la tombe des héros, d'un des donjons que j'avais fait, je l'avais pas précisé, mais oui, il y avait une mécanique de lumière, en fait, des ennemis qui étaient en mode ombre, et fait de la lumière, en fait, pour que... ils puissent être tapés, en fait, simplement, sinon on pouvait pas les taper. Bon, je vais utiliser une clé, hein. Voilà. Ah, c'est l'ec. Ah,
Regardez-moi ce bordel. Allez, en moins. Allez, c'est bon, voilà. On se fait un peu violence, mais ça passe. Épitate dorée. On n'a plus qu'à faire ce donjon maintenant. Qu'est-ce qu'on va se taper? Comme saloperie. Il y a un trou là. Ah, j'aime pas trop ça. Sûrement le truc là, on s'est déjà tapé un truc similaire dans le début du jeu, hein, un nécrolimbe. Ouais, bah ce truc là, voilà. Ah! Putain! T'es chaud, bordel. Faut vraiment que j'aille tout en bas, hein. Ah, chiant. Pour le bouffe. Pour ta race, putain. Non, mais vas-y, l'arnaque. Ah, l'arnaque, je l'ai pas vu, lui. Oh là là, merde. En plus, on peut aller en bas, quoi. D'accord, ok. Cette mécanique de merde. Ah, je vous jure. Allez, on recommence. Hein. Avec le sourire. Allez, c'est bon, vite, vite, vite. On se mine la bite. C'est chaud quand même, hein. Porte dure. On n'a pas le choix, faut que je tombe là, je pourrais pas monter. Ok. Ah! Ah, le prank! D'accord, j'adore. Prank des basiliques. Dégagé, voilà. Muguet. On part là. Let's go. Dégage. Ha. J'en peux plus de ce... C'est quoi ce donjon de merde? Il y en a partout, quoi. C'est n'importe. Il y a une pierre, ok. Dégage. Ah, le bon donjon de merde, hein. Ouais, c'est vraiment de la... C'est vraiment chiant, hein.
crois qu'il y a un truc là-bas. En plus haut là, je crois qu'il y a un recoin, ouais, on peut se planquer. Très bien, nickel. Oh là 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 là. Puis ça te one shot, hein. Tu peux avoir la meilleure armure du monde, ça t'encule, hein. C'est... Laisse tomber. Ah, d'accord. Ça m'amène ici, en fait. Ouais, ok. Écoute, t'es reparti là-bas, j'ai le temps de... Je suis mort. Ouais. Non, 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 c'est pas ça l'idée, du coup. Faut vraiment le faire en décalage, en fait, je crois. Dès que l'autre y passe, faut passer de l'autre côté, c'est ça, j'ai compris. Et ouais, la mécanique, putain, chiante, quoi. Terrible. C'est insane. Ça, c'est, ça fait plus donjon casse-tête, quoi. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Dégage de Basilek. Dégage. Allez, on la refait en un peu moins stressé. Ils sont pas assez décalés, les cons. Ça va être compliqué. Quoi ? Et j'ai même pas été touché ? La hitbox, elle est claquée sur ce truc-là aussi. J'ai même pas été touché, en fait. Ok. Bah, si vous voulez, hein, écoutez... En tout cas, ce que j'entends, c'est que là, ça va faire plus de 30 minutes. Donc écoute, on va s'arrêter ici, on prendra la prochaine fois, voilà. Donc désolé de vous laisser sur votre faim. Tant pis, j'essaie de faire des vidéos un peu moins longues, là, parce que c'est vrai que là, les dernières, là, elles sont longues, quoi. Donc allez, on va s'arrêter ici, on tentera ça la prochaine fois. Allez, je vous fais des bisous, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. À vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification. Moi, je vous fais des bisous. Allez, des bisous, ciao, portez-vous bien. Salutations.